Du soutien pour Djibril Bassolé, plusieurs milliers de personnes ont manifesté samedi à Réo, dans le centre-ouest du Burkina Faso, pour réclamer la libération de l'ancien chef de la diplomatie de l'ex-président Blaise Compaoré, en prison depuis un an. Les manifestants ont brandi des banderoles où on pouvait notamment lire « Justice et liberté pour Bassolé », natif de la ville de Réo. Pour ses soutiens, l'ancien ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso n'est qu'un prisonnier politique de la transition et du pouvoir actuel. Bassolé a déjà saisi la Commission des Nations Unies sur les détentions arbitraires pour faire examiner son cas. Général de la gendarmerie, Djibril Bassolé a été arrêté le 29 septembre 2015 pour son rôle présumé dans le putsch manqué, pourtant revendiqué par le général Gilbert Diendéré contre le régime de transition mis en place après la chute de Blaise Compaoré le 31 octobre 2015, à la suite d'un soulèvement populaire. Bassolé a été inculpé pour, entre autres, trahison, attentat à la sûreté de l'État et complicité d'assassinat. Des accusations formulées principalement sur la base de bandes d'enregistrement d'une conversation téléphonique résumé avec le président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Guillaume Soro. Sur la bande, les deux interlocuteurs discutaient de soutien aux putschistes, ce que les deux hommes ont réfuté.